Chez les constructions métalliques Rousseau, le projet commence par l'estimation d'un devis basé sur un plan de permis de construire et son CCTP, ou un plan de 3D de la structure et sa liste d'approvisionnement. Une fois votre commande enregistrée, votre dossier sera attribué à un dessinateur spécialisé dans la modélisation de structures en 3D. S'ensuit la phase d'industrialisation via notre ERP. Elle consiste à préparer pour nos machines à commande numérique les programmes et les aciers. Après avoir contrôlé le dossier d'industrialisation, le responsable production lance la production. Pour exécuter les débits et les perçages, nos opérateurs ont à leur disposition un panel PC sur lequel apparaissent les OF de fabrication. Les pièces constituant votre charpente sont maintenant débitées, percées, ébavurées, grenaillées et mises à disposition pour nos assembleurs qui reconstituent l'assemblage. Celui-ci est ensuite mis à disposition pour les soudeurs. Notre soudeur référent contrôle toutes les soudures visuellement afin de pouvoir les mettre sans réserve à disposition à notre peintre ou galvanisateur. Les constructions métalliques Rousseau sont en mesure de vous réaliser des structures de classe EXC3, obtenues après une série d'audits réalisés par une entreprise certifiée, dont l'objectif est d'évaluer le respect de l'entreprise vis-à-vis de la norme de fabrication NF 1090-2. Systématiquement, les constructions métalliques Rousseau vous fourniront un dossier de traçabilité des aciers et une déclaration de performance pour la structure fabriquée. Toute l'équipe de CMR vous remercie et se tient à votre disposition.